9 NATO bases and 40 depots, tons of supplies must also be moved. A brief, nostalgic ceremony formally marks the forced departure. American and French flags are lowered together. The new command headquarters, Stuttgart, Germany. On va au contraire affaiblir, puisqu'on va affecter des moyens militaires supplémentaires à l'OTAN, moyens militaires qui auraient été très bienvenus pour l'Europe de la défense, à l'extérieur de l'Alliance Atlantique. Bon, ça, c'est à mes yeux le problème principal. Les perspectives d'élargissement à l'Ukraine et à la Géorgie, sans qu'on se pose du tout la question des répercussions sur les relations avec la Russie, c'est quand même un gros problème, parce que ce sont deux pays qui, contrairement aux pays d'Europe centrale et orientale, faisaient partie intégrante de l'Union soviétique. Bon, c'est quand même un changement, une différence de nature importante par rapport à la Pologne ou à la Hongrie ou à d'autres encore. Donc toutes ces questions-là sont complètement passées sous le tapis, et il me semble tout de même que s'agissant des relations avec la Russie, de l'existence de l'Europe de la défense, il y a quand même des sujets lourds qu'on devrait évidemment évoquer dans un débat parlementaire ici, suivi d'un vote. From a military point of view, there is no need to join because when they say that our influence will be greater, I say no, it won't be greater because the software of NATO is that NATO is an American machine and will behave the same way. So if we are in, we won't be able, to change the nature of NATO as such. If you want to change that, then we should discuss it before rejoining NATO integration committees. Nous payons, nous avons des hommes dans l'OTAN. En vérité, en Rentec, pas l'OTAN, on l'a jamais quitté. On revient dans le commandement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les inconvénients, pas les avantages. Nous sommes en Afghanistan avec l'OTAN, nous étions au Kosovo avec l'OTAN. Et aujourd'hui, que l'on puisse avoir une place pour diriger l'OTAN est quelque chose qui apparaît comme tout à fait naturel. La brigade sonde, nous sommes part de la division. Monsieur le Président, si vous voulez rencontrer quelques-uns des personnels des deux bataillons. Je crois que pour le président Sarkozy, il y a une véritable volonté de relancer l'autonomie européenne de défense en se servant de l'Alliance Atlantique, premièrement. Deuxièmement, il y a effectivement une question d'image. Il est celui qui aura changé la posture de la France, non pas seulement vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, mais vis-à-vis des États-Unis. Et on sait que la référence aux États-Unis est extrêmement importante dans la pensée du président français. Et troisièmement, ça permet au président de la République de faire des choses très différentes de ce qu'ont fait ses prédécesseurs, et ça n'est pas sans doute une considération négligeable. Vous avez deux débats. Il y a le débat sur l'importance des troupes, c'est évident que si vous avez...